Voilà, tu es pour toi. Ne me dis pas que mon fils a balayé la concession ce matin. Non, ce n'est pas lui. Parce que je l'ai vu sortir très tôt ce matin. Qui c'est alors? C'est ta superbe bosseuse de fille, Shizoba. Es-tu sérieux? Cette fille est bien pour le mariage. Tu as raison, elle l'est. Mais je ne veux pas d'elle pour mon fils. Pourquoi pas le sud de la sorte? As-tu oublié que sa mère était ma meilleure amie avant que ça ne tourne mal? Heureusement que tu sais. Mais ça ne change en rien le fait que Chizoba est la fille que je n'ai jamais eue. Tu frémis sur ton étoile. Qu'elle voit ton fils comme son frère. Tu as vraiment de la chance. Je pense pour ma part qu'ils sont mieux comme frères et sœurs. Ils ont toujours été frères et sœurs. Je vais faire un tour chez Itia Mani. Salue-le de ma part. J'ai appris qu'il ne se sent pas bien. D'accord. Ils n'ont toujours été que frères et sœurs. Donc, calme-toi. Oh. Je veux que tu me dises tout ce que tu sais sur Ogoma. Ogoma, c'est mon amie. Mais cette fille est trop bête à mon goût. Hein? Elle est paresseuse. Sale. Elle a une grande queue. Je la supporte seulement. Doucement, doucement, doucement. Tu sais, je demande parce que je veux juste savoir le genre de vie qu'elle vit, si elle a quelqu'un dans sa vie, tu vois. Ok, d'accord. La raison pour laquelle je demande, j'apprécie Ogoma. Genre, je l'aime. Et je vois mon avenir avec elle. Alors je veux savoir si je peux commencer à planifier mon avenir avec elle. Alors, peux-tu, s'il te plaît, m'aider à lui oui, parler? Oui, bien sûr, pourquoi pas, je le ferai. Sérieux, tu le feras? Bien sûr. S'il te plaît, dis-lui ce que je ressens pour elle. T'inquiète tu me le promets? Pas. Oui. Wow, merci. C'est pour ça que tu seras toujours ma sœur. Ouais, j'arrive. D'accord. Oui. Nana. Ogoma. Non. Ce n'est pas possible. Hein? Et comment? Pourquoi? Pourquoi ça doit être Ogoma? Pourquoi? J'ai rejeté 4 hommes juste pour être avec Nana. Maintenant, ils veulent l'éloigner de moi.
Elle veut l'éloigner de moi. Non, ça n'arrivera pas. Tant que je serai vivante, ça n'arrivera pas. Jamais. Ça n'arrivera pas. Mince. Tizoba. Mon ami. Où est-ce que t'étais passée? Je t'ai cherché partout. Ce n'est pas de ma faute. La mère de Nana m'a commissionné. Ouais, c'est vrai, je sors de chez Nana. Il m'a dit que tu venais juste de partir. Hein? Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Tizoba, tu vas bien? Oui, je vais bien. Ne t'en fais pas. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça c'est un cadeau de la part d'Ozo. Il a dit que je te le donne. Je n'en veux pas. Tizoba. Ozo est un mec vraiment gentil. Pourquoi ne lui donnes-tu pas une chance? Ça ne sera pas possible. Tizoba, tu es vraiment chanceuse. T'es très très chanceuse. Sais-tu déjà le nombre d'hommes que tu as rejetés dans ce village? Donne juste une chance aux autres. N'arrête plus jamais me dire une chose pareille. N'essaye plus. Tizoba, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis désolée. Je suis désolée. Pardonne-moi. Ça n'arrivera plus jamais. Je suis désolée. Pardon, mon ami. Mais si tu veux mon avis, dis-lui simplement que tu l'aimes, ça passe pas. Ozo, combien de fois t'ai-je averti de me laisser tranquille? Combien de fois? Tizoba, je ne peux pas te laisser. Je t'aime beaucoup, hein? Ogoma t'a-t-elle donné le cadeau que je lui ai donné de te remettre? Je ne veux pas de ton cadeau. Je ne suis pas intéressée par tes cadeaux. Je ne suis non plus intéressée par toi. Laisse-moi tranquille. Je ne peux pas te laisser. Je t'aime beaucoup. Je ne t'aime pas. J'aime quelqu'un d'autre. C'est tout. Laisse-moi. Alors montre-moi la personne. Montre-moi la personne et je te laisserai tranquille. Quand ce sera le bon moment, tu sauras qui est cette personne. Présentement, tout ce que je veux, c'est que tu me laisses tranquille. Je ne veux pas de toi. Tizoba. Ozo, que voici, il t'aime. Tu ne le vois pas? Je t'en supplie. Hein? Tu ne cesses de dire que tu aimes quelqu'un d'autre. Dis-le nous et on passe dessus. Le mec que tu vois est même mieux que celui que tu ne connais pas. Tizoba, écoute. Zoba. Tizoba. C'est bon, elle est partie. Elle n'a même pas voulu m'écouter. Cette fille, je l'aime de tout mon cœur. Tu sais, avec les femmes, il faut être patient. Donne-lui un peu de temps. Hey, Ogoma. Hey, Ogoma. Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais vu ce qui s'est passé hier? Hey. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? C'était terrible. Tizoba, ta meilleure amie, a rejeté Ozo en notre présence. Comment ça, quoi? Comment? Après tout ce que je lui ai dit? Ogoma, cette Tizoba est un démon. J'aurais tellement cette fille. Tu devais être là pour voir ce qui s'est passé. Je n'aime pas cette fille. Je fais juste semblant de l'aimer lorsque nous sommes ensemble. Je hais cette fille. Que s'est-il passé? Elle est venue jeter le cadeau sur Ozo. Quand je pense que moi, Neka, je ferai n'importe quoi pour avoir Ozo. Qu'est-ce qui ne va pas chez Tizoba? Qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille, hein? Goma, écoute. Tu dois vraiment rester loin de cette fille. Très loin. Tizoba n'a pas un bon esprit. Pas du tout. Reste loin d'elle. Tizoba peut faire ce qu'elle veut. Ce n'est pas mon problème. Je me souviens seulement d'Ozo. J'ai tellement hâte de voir l'homme invisible qui viendra l'épouser. Écoutez, les filles, Tizoba n'est pas ce que vous pensez. C'est une très bonne fille. Elle n'a pas de problème. Ne vous en faites pas, hein? Je vais lui parler. Vous savez qu'elle m'écoute. Je vais lui parler. Parlez à Tizoba. Ogoma, tu ne comprends vraiment pas. Reste loin de Tizoba. Éloigne-toi d'Elo, Ogoma. Nana. Ça va? Comment tu vas? Je vais bien. Pardonne-moi de t'avoir tourné le dos l'autre jour.
Ah non, c'est rien, t'inquiète, laisse tomber. En es-tu sûr? Mais oui, bien sûr, je l'ai oublié depuis longtemps. Alors, promets-moi quelque chose. Quoi? Peux-tu laisser Ouzo, mon ami, mettre un sourire sur ton beau visage? Peux-tu lui donner une chance? S'il te plaît. Si ça peut te rendre heureux, je vais essayer. C'est ça, ma sœur. Tu sais, je suis très sûr qu'Ouzo prendra très bien soin de toi. Et c'est ce que je veux pour toi. C'est le genre d'homme que je veux pour toi. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'Ogoma a dit? Elle a dit qu'elle n'est pas intéressée, ou qu'elle voit déjà quelqu'un d'autre. C'est ce qu'elle a dit? Mais je ne l'ai vue avec aucun homme. Tu parles comme si tu connaissais Ogoma très bien. Cette fille est très fausse. Si tu veux mon avis, tu ferais mieux de chercher quelqu'un d'autre. Ne sois pas triste. Aïe! Seigneur, j'ai mal! Ça fait mal, qu'est-ce qui est entré dans mon œil? Ogoma. Ogo. Quelque chose est entré dans mon œil. Quoi? Il y a un truc dans mon œil. Attends, fais-moi voir. Attends, ouvre. Merci. Merci beaucoup, Nana. C'était le sable. Ah. Merci. Je t'en prie. Tu cultives? Je cultive. Désolé. Merci. D'accord. Je vais t'aider. Non, tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que les gens vont dire s'ils te voient faire ça? Le fils des chiefs, aider une minable comme moi. Non, ne fais pas que ça. Que veux-tu dire par une minable comme toi? Arrête de dire ça. Je suis également un minable. Écoute, je m'en fiche pas mal de ce que les gens vont dire. Du moment que je le fais pour la femme que j'aime. Écoute. Ogo. Je t'aime sincèrement. Et la seule chose à laquelle je pense actuellement, c'est de faire de toi ma femme. Écoute, ne dis rien. Réfléchis simplement à ce que je t'ai dit. Et donne-moi une réponse. Tu es ma femme. Promis? Nana. Arrête. Laisse-moi t'aider à cultiver. Donc, on verra un minable. Et une minable cultivée. Par où est-ce que je commence? Tu sais, j'ai l'intention de faire de toi ma femme. Mais avant, je devais avoir la bénédiction de ta mère avant d'en informer à mes parents. C'est une bonne chose. Seulement, t'aurais dû me prévenir avant de venir à la maison. Je te connais. Si je te l'avais dit, tu ne m'aurais pas laissé venir. Nana, qu'en est-il de ta mère? Tu sais comment elle est. Nous donnera-t-elle sa bénédiction? Ne t'en fais pas. Quand on arrivera au pont, on le traversera. Hein? Alors, ne t'inquiète plus. Ok. Très bien. Rentre, on se verra plus tard. Merci.
Je t'aime. Je t'aime. D'accord, bye bye. Prends soin de toi, pour moi, seul. D'accord. Enfin. Je t'assure. Nanda, qu'est-ce qu'il y a? Ne t'en fais pas, tu verras. Je suis surpris. Je n'avais jamais vu mon ami aussi heureux. Hein? T'es surpris? Je suis surpris. Ne sois pas pressé. Calme-toi, je vais te le dire. Ok. Ouzo, tu sais que ton ami va bien? Ou peut-être il a pris 6 verres de vin de palme au bar d'Oka. Bien sûr que non. Je ne suis pas sous. Je ne suis pas sous, okay, les gars. Ok, tu es sourd. Et voici ma reine. Voilà ce qui me rend sourd. Viens là. Salut. Tu m'as demandé de venir? Oh oui, je t'ai fait appeler. Maintenant, écoutez-moi, tout le monde. Ok. Et voici ma reine. Je vous présente la femme de mes rêves. Et par ricochet, je veux vous présenter à tous la mère de mes futurs enfants. Oh, je suis content pour vous. Mes félicitations. Merci. Merci, c'est gentil. Tu vois, le vrai amour est très beau. Elle ne touche pas. Mais, Nana, c'est pour ça que tu m'as appelée. Je t'ai dit que je voulais moi-même annoncer la nouvelle à ma meilleure amie. Ouais, mais nous sommes une famille. Donc c'est la même chose de le dire ici. Hein? Zoba? T'es pas heureuse pour moi? Bien sûr que je le suis. Je suis contente. Je suis très contente, juste que je ne suis pas contente de ma meilleure amie. Elle aurait au moins dû me faire signe. Ah ouais, c'est ma faute. C'est ma faute. Hey. Shizuba, tu n'as pas à te fâcher pour ça. Le plus important est que Nana fait le bon choix. Vraiment désolée. Vraiment désolée. Oh, désolée, ma puce. Je suis content pour toi. Bien, je suis content pour toi. Enfin. Merci. Enfin. Merci. Maintenant, est-ce qu'on peut aller au bar et fêter ça? Oui, merci. Merci. Allons-y. Allons-y, allons-y. Ogoma, tu n'es qu'une rêveuse. Tu es une rêveuse. Hein? Nana a toujours été mienne depuis la nuit des temps. Et c'est ainsi que ça restera. Tu ne peux pas me l'arracher. Ah. Tizoba, je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Je ne peux pas exprimer cette joie que je ressens. Tu vois, Dieu, il connaît le désir de mon cœur et il m'a donné quelqu'un de bien. Je suis heureuse pour toi aussi, oh, très heureuse. Juste que j'aurais dû être la première personne au courant. Je suis désolée. Tu sais, je te raconte toujours tout. Je sais. Désolée, non, ça n'arrivera plus. Ça suffit, non. Ah, désolée. C'est bon. C'est quoi, t'as eu peur? Oh, non, ce n'est pas drôle. Je te le ferai payer, je te le ferai payer. Fais-moi payer. Vous étiez trop drôle. C'était juste... Désolé. Ah, Ugo, allons-y, s'il te plaît, il se fait déjà tard. Oui, c'est vrai, je vais aider... Ugo, apporte son fagot de bois et toi, aide Shizuba, apporte le sien. Ne touche pas, Sao. N'y touche pas. Laisse-moi t'aider. Tu ne vois pas Nana qui aide Ogoma. Hein? Ne touche pas à mon bois. Ah, je croyais qu'on avait parlé de ça, non? Hein? Non, je plaisantais juste. Porte Sao et tu vas utiliser ce truc et mettre sur ta tête. Pas de problème. Ça ne dérange pas. Pourquoi portes-tu le bois? Donne-le-lui, non? Tu n'es pas. Ah oui, pas c'est vrai. Et donne-le-moi. Fiche que ça soit lourd. Chérie, c'est lourd. C'est par amour. Nous qui sommes des reines. C'est par amour. En marche. Je suis capable de tout. Hein? Trésor, ça va aller. Hey, c'est par amour. C'est par amour. Ne t'occupe pas de lui. C'est par amour.
C'est par amour. C'est par amour. Par l'amour. C'est par amour. Détends-toi. C'est par amour. C'est quoi? C'est par amour. Par amour. Est-ce que tu vas bien? J'ai appris que tu étais malade. Je n'ai rien du tout. Je plaisantais juste. Je voulais voir à quel point tu m'aimes. Laisse-moi tranquille. Chisoba. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. C'est mauvais que je t'embrasse. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Je veux qu'on fasse une surprise. À Nana et au Goma. Si tu fais ça pour moi, je serai à toi. Pour toujours. Oui. À moi pour toujours. Ok, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? C'est tout? Tu es une mauvaise fille. Je ne suis pas, je suis une bonne fille. Ce n'est pas un problème. Oui, ce n'est pas un problème. Où est-il? Où est Nana? Est-ce qu'il va bien? Tu veux savoir un truc? Sais-tu que je peux te donner ce que Nana ne peut pas? C'est quoi ces bêtises que tu racontes? Oh. Hé, lâche-moi vite! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Allez, vite! Ozo! Je te dis que je peux te donner ce que Nana ne peut pas te donner. Ozo! Attends, Ozo! Attends, qu'est-ce qui ne t'arrive? Calmez! Ozo, ce n'est pas bien du tout! Ozo! 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 Attends! Nana! Ozo, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je voulais juste te jouer un tour. Tu sais, Chisoba... Tais-toi, espèce de bonne à rien. Chisoba quoi? Hein? Nana, c'est avec ce genre d'homme que tu veux que je me marie? Nana, ce n'est pas ce que tu crois. Il m'a dit que tu n'allais pas bien. C'est pour ça que je me suis précipitée ici. Tu t'es précipitée ici? Ouais. Ozo, j'ai tellement honte de toi. Mon frère. Ozo. Donc c'est ce genre de personne que tu es. Ce n'est pas vrai. Tous les deux. Ozo. Tous les deux. Ce n'est pas vrai. C'est bon. C'est lui. Mon frère. Si tu prononces à tort mon nom, le tonnerre va te frapper. Mon frère. Mon frère. Hey. Mais ça, c'est encore quoi? C'est encore quoi, tout ça? Hugo, tu ne peux pas continuer de pleurer ainsi. Je t'en prie, arrête de pleurer. Si personne ne te croit, moi, je te crois. Je te crois, moi aussi. La seule personne qui ne croit pas à son histoire, c'est Chisoba. Elle n'est pas une personne de confiance. C'est la faute d'Ozo, s'il vous plaît. Chisoba est innocente, de grâce, laissez-le en dehors de ça. Ozo, sérieux? Ozo ne ferait même pas du mal à une mouche. Exactement. Je peux même jurer pour lui. Oh, des mains. Moi, je ne peux pas jurer pour quelqu'un. Je ne peux même pas jurer pour ma mère, à plus forte raison que quelqu'un d'autre. Je ne peux pas. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a un œuf pourri au milieu de nous qui ne veut pas qu'Ugoma jouisse de son amour. Et cette personne est Chisoba. Non, cette personne, c'est Ozo. Et je dois le confronter très vite. C'est bon, ça va Ugoma. Ça va. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez notre fils. Ces quatre derniers jours, il n'est pas lui-même. La vie d'un homme est énormément remplie de plusieurs tempêtes. La façon dont il les affronte démontre sa maturité et sa force. C'est un homme. Laisse-le résoudre ses problèmes. Papa, je ne vais pas garder ce secret assez longtemps. Quel secret?
Nana a attrapé Ogoma avec un autre homme. Et elle sort avec cet homme depuis un bon moment déjà. C'est ça son problème. Kineke. Dans ce cas, mon fils n'épousera plus jamais cette fille. Il n'épousera pas ce genre de fille. Oh, Guini, cela ne va jamais. J'ai toujours soupçonné cela. Oh. Je reviens. Je reviens. Ekema! Ekema! Mère d'une prostituée! Mère intime! Ngozi. Toi, cette fille. Y a-t-il un problème? Comme si tu ignorais le problème. Je suis venue pour toi. Écoute. Maman, bonsoir. Tu sais quoi? Reste avec elle. Reste avec ta fille. Qu'y a-t-il de bon aujourd'hui? Qu'y a-t-il? Reste très loin de mon fils. Reste loin de lui. Vous n'êtes pas de la même classe. Nielo Woye. Reste loin. Ngozi, tu te sens bien? Si je me sens bien, veux-tu dire que tu n'es au courant de rien? Onomaye, oui. Telle mère, telle fille. Écoute, tu as ta fille, pute de bas étage, grande prostituée, maison en chantier, brousse du village, c'est là où on couche avec toi. Reste loin de mon fils. Toilette publique, latrine du village, reste loin. Ça suffit, arrête tes insultes. Si jamais tu me parles encore, je vais te donner une gifle que tu ne vas jamais oublier de ta vie. Quand je viendrai pour la prochaine fois, je viendrai pour la guerre. Attends. Je viendrai avec la bombe. Je viendrai avec mes grenades. Des chars blindés. Je vais remettre chacune de vous à sa place. Espèce de petite pute. Idiote. Bah. Ça va aller. Hugo, Ozoba. Hein? Tizoba. Hugo, s'il te plaît, arrête de pleurer. Tizoba, je suis innocente. Je suis innocente. Je te crois. Vraiment. Merci. Merci beaucoup, mais tu dois m'aider, mon ami. Tu dois m'aider à parler à Nana. Explique-lui les choses pour moi, Miko. Je sais que Nana est encore très en colère. Mais... ne t'en fais pas, je fais de mon mieux. Je vais continuer d'essayer, ok? Tu sais, sa mère était à la maison hier. Quoi? Et comment l'a-t-elle su? Ce n'est pas ça qui m'importe. Le plus important, c'est de prouver mon innocence. C'est tout ce que je veux. Je sais. Ne t'en fais pas, tu le feras. Tout ira pour le mieux. D'accord. Merci, merci beaucoup. Je dois partir maintenant, je t'en supplie. Parle-lui. Je le ferai. N'as-tu plus confiance en moi? Je te fais confiance. Détends-toi. D'accord. Essaye de te calmer. Calme-toi, oh! Kizoba, Kizoba, tu es une fille très méchante. Donc c'est toi qui crée des problèmes entre Ogoma et Nana. Tu m'as utilisé. Hey, pourquoi Kizoba? Tu le sauras bientôt. Tu sais quoi? Tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que le Nana que je connais ne t'appréciera jamais. Tu ne seras jamais sa petite amie. Et il ne t'épousera jamais. Tu te fous le doigt dans l'œil. Qui se soucie de ce que tu penses? J'ai atteint mon but. Ah, ok.
Je vais aller le dire à Nana. Tu ne feras rien de tel. Je ne ferai rien de tel. Shizuba, ton jeu est terminé. Nana n'aura jamais rien à faire avec toi. Je vais m'en assurer. Crois-moi. C'est ce qu'on va voir. Tu le regretteras. Tu le regretteras plus. Mon fils, les dieux nous ont donné deux yeux pour qu'on réfléchisse deux fois dans une situation avant d'émettre un jugement. Pourquoi ne pas écouter sa version de la bouche d'Ugoma? Papa, tu dis ça parce que tu n'étais pas là. Je les ai vus, papa. Qu'est-ce que je suis censé entendre d'autre? La plupart du temps, ce qu'on voit n'est pas ce qui est. L'esprit voit au-delà de la vue. Alors pourquoi ne l'écoutes-tu pas? Papa, tu ne comprends pas. Je les ai vus tous deux étroitement enlacés. Eh bien, la vérité, c'est que je l'aime. J'aime Ugoma énormément. C'est la femme avec laquelle je veux passer le reste de ma vie. Alors arrête tes enfantillages et donne-lui une seconde chance si tu l'aimes vraiment comme tu le dis. Écoute, j'ai fini de parler. Je vais me reposer dans la chambre. Comment tu vas? Je vais bien. As-tu vu Ugoma? Je l'ai vu. T'a-t-elle dit quelque chose? Rien, oh. Elle a dit qu'elle n'est pas intéressée. Tu n'es pas son type d'homme. Ugoma t'a dit ça? Mm-hmm. Oui. Vraiment? Et moi qui pensais à lui pardonner? Pardonner à qui? Cette toilette publique? Hey. Nana, tu dois apprendre à comment devenir un homme. Tu ne peux pas rester un enfant pour toujours. Tu dois apprendre à devenir un homme. Hey. Pardonnez. Ok, oh. Attends, Ugoma t'a dit qu'elle n'est plus intéressée par moi? Elle l'a dit non. Vais-je te mentir? Elle l'a dit. Je vais aller le dire à papa. C'est ce qui s'est passé. Oh, Ugoma. Ça va aller. Ugoma. Ça va aller. T'inquiète, avec le temps, Nana finira par te pardonner. Vous êtes sûr? C'est sûr. Le fera-t-il? Oui. Bien sûr qu'il le fera. Je crois en toi, je crois en ton innocence. Oh, hey! Quand es-tu rentrée? Hein? Je suis rentrée il y a de cela deux jours. Hey! Tu es rentrée il y a deux jours de cela. Tu es terrible, hein? Et tu n'as dit à personne. Est-ce que c'est bien? Hein? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Désolée. Je suis désolée, mais ça, c'est pas le sujet du moment. Exactement, Shizuba. Hey, bienvenue. C'est bien de te revoir. Serre-moi encore dans tes bras. Merci. Hey, mon ami. Shizuba. Comment est Nana ces jours-ci? Il me manque tellement. Mon ami, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai essayé de parler à Nana, mais il est très catégorique. Ne t'en fais pas. Je suis encore en train de lui parler, oh, hein? Détends-toi. Ugoma, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi t'es si bornée? Ne penses-tu pas aller directement chez Nana et lui expliquer les choses? Shizuba n'est rien d'autre que la sœur de Nana. Donc va directement chez Nana et explique-lui les choses à temps. Dis-moi, Nika, n'ai-je pas parlé? J'ai tout dit, ma sœur. Mais ça ne dépend que d'Ugoma. Si elle fait confiance à Shizuba pour régler ça, alors qu'il en soit ainsi. Non, attends. Ojo, serais-tu en train d'insinuer que je ne parle pas à Nana? Pour elle, c'est ce que tu essayes de dire? Je n'ai pas dit cela, hein? Je ne dis que la vérité à Ugoma. Il faut qu'elle fasse ce qu'elle doit faire avant qu'il ne soit tard. En plus, on ne sait pas qui est qui. Ojo, c'est bon. Hein? J'ai compris ce que tu as dit.
Mais tu sais que Chizoba que voici est comme une sœur pour moi. C'est ma meilleure amie. Et je suis convaincue qu'elle n'a que mes intérêts dans son cœur. Hein? Dis-lui bien ça, Ro. Dis-le-lui plus fort, plus fort. J'ai entendu. Écoute, hein, fais attention à moi. Hey, je ne veux pas te battre ce matin. Crois-moi. Hey, écoute. Si tu es jalouse, tu fais tout comme ma soie, mon ami. C'est ton problème. Qu'est-ce que c'est? Chizoba, non. Qu'est-ce que c'est? En fait, laisse-moi tranquille. Chizoba, tu es une jalouse. Chizoba, arrête de l'appeler. Ojo. Tu batailles pour toi-même. Je sais que Chizoba est... C'est une bonne personne. Elle est innocente. Hey, c'est juste... Tais-toi. Il est content que tu règles tes problèmes toi-même. Elle est Chizoba. Parle-lui. Mais tu... Il n'y a pas de mais. Ogoma, oublie ce que je viens de dire. Chizoba n'est pas une bonne personne. Va-toi pour ton bonheur. Dis-lui. Yafaneba, Chaba, Ganya. Chizoba. Tu veux pleurer? Regarde ta face. Vas-y, pleure. Où sont papa et maman? Il n'y a personne ici, je suis seule à la maison. Que fais-tu ici, toi? Je veux juste te dire quelque chose. Tu vas partir d'ici avant qu'un tonnerre brutal ne te frappe. Mon frère, ce n'est pas... Dégage d'ici tout de suite! Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Pars d'ici! Mon frère, cette fille est une sorcière. C'est toi qui es sorcier! Tu ne vois pas? T'as pas envie de partir? C'est une sorcière. Tu es le sorcier! Attends-moi juste ici. T'inquiète, j'arrive. Non, viens rester. Reste. C'est toi qui es le sorcier. Sorcière. Tu le sais très bien. Je vais te frapper, oh. Non! Reviens. Il faut revenir. Reviens, non! Imbécile. Espèce de salaud. Ne salis pas tes mains avec ça. Comme ça, il ne reviendra pas ici pour ça. Allons rester derrière. N'est-ce pas? C'est même encore mieux, comme ça je ne verrai pas sa face de rabouillie. Imbécile, il veut me tenter. Peux-tu imaginer? Viens là pour me raconter des bêtises. T'es sûr qu'on ne va pas le suivre? Non, pas besoin. Allons-y. D'accord. Pas besoin, détends-toi. Quelle foutaise. Il a le culot de revenir ici. Il n'a même pas honte. Je te dis. Viens là pour me raconter des conneries. Ça suffit. Je suis aussi fâchée que toi. Mais c'est bon. C'est mieux que ça se soit passé ainsi. Au moins maintenant, nous savons. Ça suffit. C'est bon. Non, c'est bon. Moi, je me suis calmée. C'est bon. Je me suis calmée. Nana. Ah. Nana. C'est pas la voix d'Ougoma. Hein? C'est la voix d'Ougoma. Hein? Et que comptes-tu faire? Mais je vais aller la voir, non? Non. Tu n'as pas besoin de la voir. Cette fille ne te mérite pas. Tu sais quoi? Attends une minute. Laisse-moi aller lui parler. Assieds-toi, ne t'en fais pas. Assieds-toi. Tu sais que tu es couvert. Ne t'en fais pas. Nana! Ougo! Nana! Ougo, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue donner ma version à Nana directement. Attends, je ne comprends pas. Cela signifie que tu ne me fais pas confiance. Tu crois en tout ce que Ujou t'a dit? Calme-toi, je vais... Tout est sous contrôle. Je te fais confiance, mais laisse-moi lui donner ma version. Il n'y a pas de mal à ça. Je suis désolée. Désolée, lève-toi. Désolée, je ne voulais pas te faire ça. Je ne comprends pas. Il y a de sérieux problèmes. Sais-tu qu'il a même dit qu'il ne voudrait plus jamais voir ton visage? Si tu me demandes, il serait mieux que tu t'en ailles. T'en fies à quoi? Arrête, Nana, je sais que tu m'entends. Si tu ne sors pas tout de suite pour venir m'entendre, j'irai dans la brousse pour me pendre. Nana, ok. Je te l'ai dit. Tu sais, je te l'ai dit. Hein? Oublie-le. Ah, je ne sais pas où. Ougoma! Où vas-tu? Je vais la retrouver. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Tu sais que ta mère ne veut pas que... Elle ne veut pas d'elle.
Ne me dites pas que ce qui est bien n'est plus bien, hein. Ça veut dire quoi, ça? Quelles sont ces bêtises, hein? Quelles sont ces bêtises? Ça veut dire quoi, ça? Arrêtez, hein, ces comportements enfantins, mes frères. L'arrivée du séminariste dans ce village est un développement opportun. Oui. Depuis qu'il est venu, nous les jeunes, ne donnons plus à manger au grand prêtre. Oh, tu as raison. Les autres villages embrassent déjà le christianisme. Donc, mes frères, on doit laisser aux séminaristes la liberté d'opérer et de se préparer pour l'arrivée du prêtre. Le christianisme apporte beaucoup de bonnes choses dans la communauté. Donc, ce n'est pas mauvais. Tu as raison. Par-dessus tout, ça aide les gens à éloigner leurs pensées de cette méchante déesse ailée. Ah, ce nom même m'effraie. Grâce au Dieu, elle a été finalement bannie. Ouais. Personne ne doit jamais la ramener dans ce village. Au lieu de la déesse ailée, continue avec le séminariste. Je ne suis plus contre lui. Oh. Qu'il en soit ainsi. Donc, on doit laisser le séminariste nous enseigner les voies de son Dieu. Pas vrai? Pourquoi ma vie est-elle si amère? Pourquoi? Ah, mon Dieu! Mon Dieu, où es-tu? Rien ne marche pour moi. Peut-être que je devrais aller visiter la déesse Ailée. Non, tu sais pas, la déesse a été bannie. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Pourquoi es-tu assise ici toute seule à pleurer? C'est quoi le problème? Mon enfant, parle à ta mère. Parle-moi. Mais quelqu'un veut m'arracher mon âme. J'ai rejeté beaucoup de prétendants à cause de cet homme. Mais cette fille particulière dont je parle est prête à me l'arracher. Ça va aller. Tiens, essuie tes larmes. Ça va aller. Juste oublie cet homme. Ok? As-tu oublié que tu es une très belle femme? Ne pleure plus, ok? De meilleurs hommes viendront avec toi et c'est toi qui feras même le choix. Juste calme-toi. Que veux-tu dire? Mon enfant, ce que je veux dire est que cet homme peut ne pas être fait pour toi. Il n'est peut-être pas fait pour toi. Il n'est pas peut-être bon pour toi. Calme-toi et attends patiemment jusqu'à ce que Dieu envoie ce qu'il a prévu pour toi. Moi, je veux cet homme. Tisouba, tu parles comme une gamine que tu es. Tu ne dois pas vouloir un homme en particulier. Il n'existe pas d'un homme particulier. Et il n'existe pas aussi d'une femme particulière. Ce que tu dois vouloir et désirer doit être ce qui sera bien pour toi. Ok, allons à l'église. Écoute, le séminaire dit que la Vierge Marie intercède pour nous. Donc, allons à l'église et prions. Et elle intercédera pour nous. As-tu oublié que j'aimais tellement les bagarres et que je bavardais? Je bagarrais avec tout le monde et tu le sais très bien. Tout le monde me connaissait dans ce village. J'étais un gros problème pour tout le monde. Mais grâce aux enseignements, j'ai changé. Il nous a enseigné sur le Christ, il nous a enseigné sur la vénérée Vierge Marie. Voilà. Je pense que toi-même, tu peux témoigner pour moi. Nous allons apprendre une nouvelle chanson. Alors vous allez répéter après moi. Ave, 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 Maria. Ave.
Ave, Ave, Maria. Maria, Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Tu es notre belle lumière. Ave, 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 Maria. À chaque fois nous t'appelons, tu es là. Ave, 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 Maria. Tu es celle qui s'occupe de tous les enfants. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. J'espère que vous avez aimé. Applaudissez pour vous. Enfant de Dieu, aujourd'hui, je vous apporte le message du salut, le message de l'espoir, le message qui va libérer vos familles et vos âmes. Je voudrais vous présenter à quelqu'un. C'est la personne qui a créé le ciel et la terre. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit qu'il soit créé et vous êtes là. Que je sois créé et je suis là. Il s'agit de nulle autre personne que Dieu. Dieu Tout-Puissant. Il a créé le ciel et la terre. Au commencement, d'après le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1, je lis. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. De quel Dieu pensez-vous que je parle ? La déesse Elé. Elé, Elé, déesse de quoi? Elé. Non. Amadioa. Ouais. Non, 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 loin de là. Le dieu Oudi. Le dieu d'Oudi? Non, jamais. Je vous parle du Dieu Tout-Puissant. Qui a créé le ciel et la terre. Il vous a créé vous et il m'a créé moi. C'est un Dieu très puissant. Et il vous aime. Il m'a demandé de vous dire qu'il vous aime. Il vous aime tellement qu'il a envoyé son fils unique bien-aimé. Qu'il vienne et qu'il meure pour nos péchés, pour vos péchés et pour mes péchés. Son fils est venu et est mort pour nos péchés. Laissez-moi lire un autre passage des Écritures. Jean, 1 verset 12. À tous les gens qui l'ont reçu, à ceux qui croiront en lui, il leur a donné le droit d'être appelés enfants de Dieu. Jean 1 verset 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. De quelle parole parlons-nous ? Celle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc vous êtes appelé aujourd'hui à croire en lui, pas en Amadioa, pas en qui que ce soit. Croyez en lui, ayez foi en lui. Dans Hébreux 1, verset 6, il est écrit « La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction en des choses qu'on ne voit pas. » Alors vous devez croire, avoir la foi, croire en lui, croire que c'est lui qui vous a créé vous. Il est celui qui vous a donné la vie. Il est même celui qui a créé votre Amadioa. Il est celui qui a créé votre Elé. Oui. Le plus puissant des dieux. Le Dieu Tout-Puissant. Alors si vous avez la foi en lui, vous devez croire en lui. Il apportera le salut dans vos familles. Si vous avez la foi en Dieu, il délivrera vos âmes. Il va vous apporter. Ave, Ave, Maria. Ave, 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 Maria.
Salut Vierge Marie, Sainte Vierge Marie, Sainte Vierge Marie, Sainte Vierge Marie, je viens à toi pour que tu exauces ma prière. Tu es une mère, alors je sais que tu es plus vieille que ton fils, Jésus. Cela signifie que tu as plus de pouvoir que lui. Moi, Chizoba, je ne suis pas une fille facile. Je me suis réservée des puits pour un seul homme, et cet homme, c'est Nana. Tu as toute la puissance, donc tu sais tout. Vierge Marie, je ne veux pas que cette stupide Ugoma, cette fille de rien du tout, se marie avec Nana. Parce que je suis à 100% mieux qu'elle et plus intelligente qu'elle dans plusieurs domaines. Vierge Marie, je ne veux pas le mariage entre Ugoma et Nana qui est censé avoir lieu demain. Merci, Vierge Marie. Merci, Vierge Marie. Donc, après toutes mes prières à la Sainte Vierge Marie et son fils, dont le séminariste a affirmé qu'il exauce les prières, aucune de mes prières n'a été exaucée. De faux gens. Des menteurs. Je ne peux pas servir un Dieu qui ne peut pas exaucer mes prières. Ce n'est pas possible. Hein? On dirait que leur Dieu est très faible. Oui. Et celui qu'on dit être son fils aussi est impuissant. Ils n'ont pas de puissance, rien du tout. Ah. C'est un problème sérieux. Comment vais-je empêcher ce mariage d'avoir lieu? Je dois l'empêcher. Oui. Né, où vas-tu? Je ne peux pas rester seule sous cet arbre. Né, rentrons à la maison. En passant, pourquoi es-tu habillée comme ça? Chizoba. Né. Sois forte. Je m'en vais chez Élé. Cherche un fils pour que tu aies un frère. C'est pour cette raison que j'ai menti à ton père que t'étais malade. Pour qu'il me laisse venir ici. Mais la déesse, elle peut-elle me donner un frère? Bien sûr qu'elle peut. Donc, sois forte, essuie tes larmes. Et n'aie pas peur. Seuls les faibles ont peur. Sois forte. Mais cette même déesse Élé a tué mes parents. Il est temps de découvrir ce qui s'est passé vraiment. Thank you.
de Hélé. Déesse de Hélé. Déesse de Hélé. Tu es là pour t'apaiser et rechercher ton aide. Voici ton sacrifice. De savoir comment mes parents ont été tués. Je savais que tu viendrais. Je n'ai pas tué tes parents. Ton père l'a fait. Je ne te crois pas. On reconnaît un enfant à sa nonchalance. Mais une des preuves de sa maturité, c'est sa curiosité. Tu es une brave femme. Déesse, tu changes de sujet. Prendre le chemin de la non-résistance est le chemin des lâches. Ton père était un lâche. Maintenant, regarde ceci. Haka, j'ai besoin de ton aide. Bon, les dieux t'écoutent. Ma femme est allée demander un enfant à Hélé, la déesse maléfique. Oubliez qui a kagou, quoi c'est na la la rielu. Aguana tum na déesse ni. Un homme peut retenir l'eau de la pluie, mais ne peut pas retenir la pluie elle-même. Ok, écoute-moi d'abord. Si jamais les villageois l'apprennent, alors la vie de ma fille est finie. Alors je veux que tu nous tues ma femme et moi. C'est la seule façon d'arrêter tout ça. Il est mieux que tu partes à ton propre temps que d'être forcé. Odu ya bon moi les Didi. Tu veux dire que mon père a causé leur mort? Ton père était une mauviette. Mais tu sembles être son opposé exact. Ma déesse, je suis désolée d'avoir cru le contraire. Tes yeux et ton cœur n'ont qu'un seul désir. Tu veux Nana, n'est-ce pas? Donne-moi ta main gauche. Mets-le dans son repas et il sera tout à toi. Mais souviens-toi, ne te mets pas en colère sur le chemin du retour. Où est-ce que tu vas, toi, la fille maléfique d'une sorcière? Comment oses-tu?
N'ose plus jamais m'insulter un jour. Sinon... Sinon quoi? Jésus-Bas, sinon quoi? Non, dis-moi, sinon quoi? Écoute, laisse-moi te dire, Jésus-Bas. Les mauvais actes de l'enfant mauvais sur le mauvais chemin seront visés par une seule personne comme moi. Où vas-tu? Dis-moi où est-ce que tu vas? Je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir giflé. S'il te plaît, ne me garde pas au cul. Je suis pas, ne me touche pas. Avec tes mains maléfiques, ne me touche pas. Je continue ma route. Oui, tu dois continuer ta route. Tu dois continuer ton chemin. Mauvaise fille. Attendez un peu. Shizuma m'a demandé pardon. Ah, qu'est-ce qu'elle mijote encore? Shizuma, demandez pardon à moi. Incroyable. Bah, où t'étais? Je t'ai cherché partout. Ma chère, j'étais dans le village de ma mère. Sans rien me dire, n'est-ce pas? Tu connais ces choses, non? Mais il y a une chose que je veux te dire. Qu'est-ce que c'est? C'est au sujet de Nanao. Nana. Il est malade? Il va bien? Attendez, je vais aller le voir. Ressaisis-toi, non? Détends-toi. Essaie de te remettre en question. C'est juste que... j'ai vu Nana dans la forêt. Avec une fille. Il fréquente. Nana, c'est faux. Mensonge. Nana ne ferait pas une telle chose, je peux jurer pour lui. Commère, étais-tu là? Étais-tu là? Laisse-moi haut. Je parle à mon ami. Shizuma, non. Le Nana que je connais ne ferait pas cela. Arrête de faire peur à Ogoma. En plus, Nana est ton frère. Je sais pas pourquoi tu fais tout ça. Ujo, c'est bon. Peut-être que mon amie que voici n'a pas vu clairement et elle n'est pas sûre de ce qu'elle a vu. Parce que le Nana que je connais ne pourrait jamais me faire un truc pareil. C'est exactement ce que j'étais sur le point de dire avant qu'elle ne m'interrompe brutalement. Ah, tu sais, je réfléchissais encore à ce sujet. Ce n'est peut-être pas Nana. Peut-être que je n'ai pas bien vu parce que Nana que je connais aussi ne peut... pas faire ce genre de choses. Merci que tu te sois corrigée. Alors, Hugo, dis-nous la dernière entre toi et ton gars. Eh bien, mes chers amis, donc, vous savez déjà toutes les deux que Nana m'a amené voir sa famille. Mais il y a quelque chose que vous ignorez toutes les deux. Vas-y, dis-nous. Je vous l'ai dit. Ok, donc 4 jours de marché, Nana et moi allons nous marier. Ma chérie, je suis très contente de toi. Je sais. Trop contente. Je prie que les deux me donnent ce nom. Amen. Merci. Je dois partir maintenant. Tu sais que je viendrai te voir plus tard pour qu'on organise le mariage. Ok, voilà. Je prie que les dieux me donnent mon nom aussi, comme tu as le dit. Donc, les parents de Nana qui sont censés me considérer comme la femme de leur fils m'ont carrément tourné le dos. À cause d'Ukoma. Non, ça ne peut pas se faire. Non. Papa, je pense que tu dois trouver un moyen de gérer cette situation, puisque tu es rentré maintenant. Oui. Il faut vraiment trouver une solution à cela. Hé, papa. Shizuma. Oui, papa. Tu es rentré.
Oui, papa. Bienvenue, ma fille. Merci. Comment se porte la famille de ta mère? Ils vont bien. Désolée de n'être pas rentrée tôt. Mais maintenant, ta fille têtue est rentrée. Tu l'entends parler? Donc tu sais que tu es têtue? Hein? Tu es partie de cette maison sans rien dire à ton seul frère. C'est pour ça que j'ai cuisiné un repas particulier pour toi. Pour adoucir ton cœur, hein? Ton plat préféré. Vous deux, vous êtes vraiment terribles. Et qu'est-ce que tu as apporté à ta mère et à moi? Papa, attends, ne va pas plus vite que ton ombre. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Ne donne pas à papa or, ne donne à personne. Ne donne même pas à maman et personne. Nana, 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 ma mère a eu un accident, il faut que tu viennes tout de suite, s'il te plaît. Quoi? Allons-y, allons-y. Désolée pour ton repas. Je viens avec vous. Chizoba, s'il te plaît, surveille la maison. Je reviens. Ok, papa. Ojo! Ojo! Hey, qu'est-ce qu'il y a, Ozo? Quoi? Ojo, je suis désolé. Moi, hein? Je ne le suis pas. Je suis vraiment désolé. Je sais que j'étais offensé. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner, s'il te plaît. Je ne te pardonnerai jamais. En fait, je ne veux même pas te parler. Hey. Je veux juste te dire que je vais me marier. Ha! À ta meilleure amie, Neka. En quoi ça me concerne, Ozo? Donc, c'est parce que tu vas te marier à Neka, mon ami, que je dois te pardonner. Okuya. N'importe quoi. Je suis vraiment désolé. Hein? Je suis désolé. Je cherche même un moyen de m'excuser auprès d'Ogoma. Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Écoute, je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Hein? Bien. Au cas où tu ne le sais pas, Ogoma t'a pardonné. Juste à cause de Nekao. Voilà, j'ai autre chose à te dire. Tu vois ton ami Chizoba, ce n'est pas une bonne personne. Oui, pas du tout. J'ai un truc à te dire. Viens, approche. Le truc, c'est que je... Quoi? Mais oui. Hey! Je ne peux pas te mentir. Hey! Ozo, je savais que Chizoba n'était pas une bonne personne. Je le savais. Mais tu sais quoi? Je n'ai plus du tout peur d'elle. Je vais aller l'affronter. Yeah. Je n'ai pas peur d'elle parce que la peur est le seul avantage que le mal a sur les gens. Je vais l'affronter. Fais juste attention à toi. Ce n'est pas une bonne personne. Elle ne peut rien faire. Je sais de quoi je parle. Tu dois juste faire attention. S'il te plaît, viens m'aider à me charger. Ojo, est-ce que tu m'as pardonné? Je t'ai pardonné. On parle de Chizoba et toi, tu parles du pardon. Je t'ai pardonné. À la fin de tout ça et après t'avoir aidé, tu diras que tu ne m'as pas pardonné. Pardonne-moi. C'est à cause de Neka, hein? Hey, Chizoba, je vais affronter cette fille. Fais juste attention. Cette fille est son cœur. Fais attention, s'il te plaît. Ojo, elle n'est pas une bonne personne. Je n'ai pas peur d'elle. Lorsque deux personnes différentes, venant de familles distinctes, décident de se mettre ensemble et de vivre comme mari et femme, selon cette institution qu'on appelle le mariage, alors, ils sont bénis, au-delà de l'expression de l'amour. Comprenez-vous? Ouais. Et vous tous devez identifier vos différences individuelles et respecter ses limites. Alors, il faudra faire des sacrifices, l'altruisme, la fidélité,
pour que le mariage puisse fonctionner. Le comprenez-vous? Oui, très bien. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est compris. Le livre d'Éphésiens 5, verset 21, dit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Et vous, femmes, respectez et soyez soumises à vos maris pour faire un mariage heureux. Le comprenez-vous ? » Ouais, je comprends. Suis-je assez clair ? Parfaitement. En conclusion, le mariage est une union. C'est un lien établi par Dieu au ciel. Et tous les deux devaient être fidèles l'un à l'autre. Et par-dessus tout, il est essentiel que vous mettiez toute votre confiance en Dieu. Tout ce qui est fait en dehors de Christ n'est que vanité. Le comprenez-vous tous les deux ? Oui, oui. D'accord, donc peu importe la longueur de ta taille, tu dois être soumise à ton mari. Oui, c'est vrai. J'ai compris, merci. Et les hommes doivent aimer leurs femmes. Merci beaucoup. Merci, séminariste. Merci. De rien. Prions donc. D'accord. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Tizoba ? Oh ! Tizoba ! Ojo, qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Tizoba ! Tizoba, comment peux-tu être tant méchante ? Hein ? Je ne comprends pas, de quoi est-ce que tu parles ? Menteuse ! Fausse amie, voilà ce que tu es. Tizoba, tu as finalement frappé Akid folie. Simplement parce qu'il voulait exposer comment tu as essayé de séparer Nana et Ogoma. Baisse de ton nom. Tais-toi. Te voilà qui crie. Les gens vont t'entendre. Bien sûr, je veux qu'ils m'entendent. Je vais le dire à tout le monde qui voudra bien l'entendre. Je vais t'exposer. Déesse de Hélé, s'il te plaît, sauve ton enfant. Oh. Je t'en prie. La défunte fille de mon grand frère. Sa mort n'était pas simple. Elle n'était pas simple du tout. C'est douloureux. Je ressens qu'une chose bizarre est entrée dans cette communauté. Sans parler d'Aki, qui est soudainement devenu fou. Chai. Aki alors. Aki. Je suis aussi très surpris, mes frères. Êtes-vous sûr qu'un dieu étranger n'est pas entré dans notre communauté? Odukwego, je pressens la même chose. C'est bizarre. Oui. Très bizarre. Que la paix du Seigneur soit sur cette réunion. Amen. Amen. Séminariste, que se passe-t-il? Nous avons tous peur. Oui. Hein? Je suis mort de peur. Vous n'avez pas du tout besoin d'avoir peur. Parce que la peur n'est pas pour les enfants de Dieu. La Bible dit qu'il ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais un esprit de force et d'amour. Il est nécessaire que nous nous rassemblions et restions unis pour prier que Dieu se hâte de venir à notre secours. Nous sommes prêts. Quand est-ce qu'on commence? Oui. Quand? Quand? Oui. Nous devons faire le tour du village en priant, aspergeant de l'eau bénite, en versant cela. Tout esprit qui ne vienne pas du Seigneur disparaîtra. Et cette communauté sera libre. À nouveau. Séminaristes, nous sommes prêts. Mes frères, nous sommes-nous pas prêts? Oui, nous sommes. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Que la paix du Seigneur soit sur vous pour des siècles et des siècles.
Ah, ah, Tizoba, qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Nana, je t'ai aimé toute ma vie. S'il te plaît, épouse-moi. Je te rendrai heureux. Tizoba, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es censé être ma sœur. Tu sais ce que ça veut dire, ce que tu viens de dire? Et après tout, tu sais que je suis amoureux d'Ugoma. T'es pas au courant de ça? Mais pourquoi ne peux-tu pas m'aimer? Je suis mieux qu'Elo. Ne suis-je pas assez belle? Honnêtement, je suis très surpris que nous ayons cette conversation. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Je ne peux être avec un autre homme. Je ne peux pas. Sorcellerie. Arrêtez ça maintenant! Arrête! Nem elle est. Merci beaucoup, déesse de Elle. Merci de m'avoir sauvée quand mon ami Uju voulait m'exposer. Mais ce que j'attends de toi ne m'a pas encore été donné. Silence, car tout ceci est de ta faute. De quoi est-ce que tu parles? J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Excepté ne pas te mettre en colère sur le chemin du retour. Ah, ma déesse, je suis vraiment désolée. C'était une erreur, mais il en a payé le prix. J'aime ton esprit. La colère et la rage que je vois en toi sont suffisantes pour te rendre invincible. Ma déesse, s'il te plaît, je veux que tu détruises leur mariage. Ce n'est pas possible, ma fille. Parce que leur mariage a été scellé par un dieu inconnu. Non! Qu'elle devienne folle! Tu l'as! Fais quelque chose! Je ne veux pas savoir comment tu le feras, mais je veux que tu le fasses, s'il te plaît! Je te promets que je vais te servir toute ma vie. Et je vais même créer un endroit où les gens viendront t'adorer. S'il te plaît, ma déesse, s'il te plaît. Je ne peux pas la rendre folle. Es-tu en train de dire qu'il y a une force plus puissante que la tienne? Silence! Elle a été récompensée avec une belle vie, à cause de son bon cœur. De plus, Nana n'a jamais été à toi pour commencer. Ok, étant donné que ce que je veux ne puisse se faire, enlève-lui son utérus. Je ne veux pas qu'elle ait de la paix. Ces gens qu'elle appelle ses bien-aimés seront les mêmes à la haïr. Silence! Ton vœu sera exaucé. Mais ton âme sera à moi. Qu'il en soit ainsi. Thank you.
Mon amour, ton repas est prêt. Tu veux que je te serve maintenant? Crois-tu que cette nourriture, c'est mon problème? Non, crois-tu que je suis assis ici, nuit et jour, à réfléchir à cause de la nourriture? Goma, mon problème, ce sont les enfants. Donne-moi des enfants. Tous mes égaux ont des enfants et j'en ai rien. Donne-moi-en un seul, même si c'est un imbécile. Qu'il soit en soumis, je m'en fous. Donne-moi-en un. Tu me demandes de venir manger. On t'a dit que c'est ça mon problème? Mon mari, je ne suis pas Dieu pour donner des enfants. Tout comme toi, je veux également des enfants. Nana, je t'ai épousée toute vieille. Je ne sais pas pourquoi je suis incapable de concevoir. Mais je continue à croire en Dieu. Je crois que Dieu nous exaucera un jour. C'est bon. Je suis désolé de la façon dont j'ai réagi. Je sais que c'est pas de ta faute. Je sais que c'est pas toi qui donnes les enfants. Tu vois, je ne suis qu'un humain. Et je suis démoralisé jour et nuit. Quand je pense que qu'on n'a pas d'enfants, ça m'inquiète beaucoup. Pardonne-moi, s'il te plaît. Écoute, je me demandais si... Tu sais, on peut chercher de l'aide. Si on peut chercher de l'aide ailleurs. Nana, ne pense même pas à ça. Je crois toujours en Dieu. Je crois que Dieu exauce toujours les prières, mais c'est là, au moment qu'il trouve favorable, il va nous exaucer. Biko, mon amour, s'il te plaît. C'est compris. On va attendre le temps de Dieu. Au bon moment, il nous donnera un enfant. Très bien. Va servir le repas pour ton mari. Il est affamé. D'accord. Et n'oublie pas ton sourire. Ok, je vais te servir. Et tu n'accoucheras pas un imbécile, ni un soumis. Amen. Je retire mes mots. Ngozi, tu souffres. Ngozi, tu souffres. Donc tu as le temps de rester ici dehors, à ricaner et à sourire toute seule. Pourtant, tu n'as pas d'enfant. Écoute, Ogoma, si tu ne peux pas lui donner un enfant, laisse-le tranquille. Libère-le du charme où tu l'as enfermé, au point où il ne peut pas voir. Qu'il épouse une autre qui peut me donner des petits-enfants. C'est même quoi avec toi? N'es-tu pas fatiguée? Mais Dieu va nous donner des enfants. Quel Dieu? Quel Dieu? Est-ce que tu le connais? Si tu priais la Vierge Marie, elle t'aurait donné un enfant maintenant. Ce sont les sorciers qui aiment parler de Dieu, Dieu. Pourtant, elles sont méchantes. Je savais depuis le début que tu étais mauvaise. Écoute, ramasse tes affaires et va en paix. Mais... pour que mon fils puisse avoir la lumière. Écoute, tu n'as même pas le droit de dire un seul mot à mon fils. Parce que si tu le fais, tu le regretteras durant toute ta vie. Idiote. Va-t'en. Va loin d'ici. Va loin d'ici. Va loin d'ici. Oh, Guini. Hein? Tu n'iras nulle part. Laisse-moi tranquille. Je pense. Maman, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part jusqu'à ce que tu m'écoutes. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Non. Tu penses que je plaisante? Tu penses que je plaisante? Laisse-moi passer. Tu penses que je plaisante? Maman, pour la toute dernière fois, je ne veux plus que tu touches à ma femme. Si tu veux la paix dans cette maison, évite ma femme. Évite Ugoma, s'il te plaît. Hein? Je n'ai pas de soucis. Que vas-tu faire? Vas-tu me frapper? À cause de cette sorcière qui mange les bébés dans le ventre? Il va moignagna. Laisse-la tranquille, maman. Laisse-la tranquille. Ça te regarde pas. Seule la vieille. C'est toi qui donnes les enfants seule maintenant. La vieille, Marie sait ce qu'elle t'a dit. Elle ne m'a rien dit, c'est papa qui m'a dit. Je te préviens, maman. Je t'avertis, tu n'es pas celle qui donne les enfants. Si tu avais ce pouvoir, n'aurais-tu pas d'autres enfants?
Est-ce que tu m'aurais eu, moi seule? Laisse-moi que tu parles ainsi. Oui. Tu oses me parler sous ça. Oui. Es-tu celle qui donne les enfants? Nana, fais très attention. Je t'ai prévenu, maman. Évite ma femme. Fais très attention. Évite-la. Évite-la si tu veux la paix. Évite-la si tu veux la paix. Je t'ai accouché. Je t'ai accouché. Qu'elle accouche au moins une seule fois. Tu n'es pas Dieu, maman. Je t'ai accouché, non? Tu peux toujours aller accoucher d'autres. Va accoucher d'autres enfants. Qu'elle accouche. T'as qu'à d'autres enfants. Tu ne resteras pas avec elle. Qu'elle accouche. Maman, je t'ai averti. Les enfants à leur mari. Je t'ai averti si tu veux la paix dans cette maison. Aucune femme n'est une vraie femme sans enfant. Elle n'est qu'une femme stérile. Une femme qui est là seulement à manger ses enfants dans le ventre. Tu la défends, idiot. Parle-moi encore d'elle. Je vais la découper en deux morceaux. Tu es au bar. Ça fait des minutes que je suis plantée ici. Tu n'as même pas remarqué ma présence. Tizoba, quand es-tu revenue du village de ta mère? Ça ne fait pas longtemps. Tu vas bien? Tizoba, je ne vais pas bien. J'ai des problèmes. Mon mariage est sur le point d'être détruit. Qu'est-ce que tu veux dire? Le même problème d'enfant. Tizoba, je ne sais pas quoi faire. Maman veut des petits-fils. Je suis si confuse. Ça suffit. Hein? Tu dois arrêter de pleurer. Tizoba, tu ne comprends pas. Ça ne va pas du tout. Maman pense déjà à mener une autre femme à mon mari. Bon, Tizoba, vu que t'es mon amie, que ce soit toi, s'il te plaît. Non. Mais qu'est-ce que tu racontes? Baisse d'un ton avant que les gens ne t'entendent. Je ne peux pas faire ça. De plus, il y a des jeunes hommes qui viennent demander ma main en mariage. Je sais que c'est impossible. Je ne sais pas quoi faire. Ça suffit. Arrête de pleurer. Très bientôt, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Ok? Dans ce cas, ça suffit. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Ferme tes yeux et prions. D'accord. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, réalise les désirs du cœur de mon ami. Né, je suis vraiment désolée de causer des problèmes entre Nana et toi. Né, je sais que ça fait un an maintenant et je suis incapable de concevoir. J'ai essayé, mais les enfants ne viennent pas. Né, je ressens ta souffrance. C'est pourquoi je suggère que Nana prenne une seconde épouse. Et je suggère que ce soit Tizoba, vu qu'elle est de retour. Assieds-toi, ma fille. Ougoma. Maman. Ma fille. Je bavarde peut-être beaucoup. Je cherche les problèmes dans tout le village. Mais je ne suis pas une mauvaise personne. Je suis une femme et je comprends ta peine. Je sais ce que tu endures. Et je compatis à ta douleur. Mais prendre une seconde épouse n'est pas la meilleure option pour le moment. Encore moins que ce soit Tizoba. Continuons à prier la Sainte Vierge Marie qu'elle intercède pour nous, tu auras des enfants.
Tu auras des enfants. Amen. Amen. Viens. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Le Seigneur va exaucer nos prières. Tu auras des enfants. Ogoma, Ogoma, oh, eh. Chizoba, comment est-ce que tu vas? Je vais bien, oh. Tu sais que j'avais programmé de venir te voir ce soir. Eh. Ouais. De toute façon, tu brilles comme ça. Je peux voir que les choses marchent. Ouais, c'est le cas. Je suis si heureuse. Aide-moi à remercier le Seigneur. Mm. En fait, tu sais quoi? Ta prière a marché. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Nana a refusé de prendre une seconde épouse. Il a dit qu'on attende le temps de Dieu. Mais as-tu dit à Nana ce que tu m'as dit? Ouais, je lui ai dit. Il a refusé. Il dit que t'es comme sa sœur. Mmh. Mais merci, merci beaucoup. Est-ce que tu sais que maman et papa m'ont soutenue? Ouais, je suis si contente. Merci. Bon, je dois partir maintenant. On se verra plus tard. À oh, plus, oh. Je vais aussi partir. D'accord. Bye bye. Ok, on se verra plus tard, oh. Hey. Déesse de L.A. Déesse de L.A. Ta fille est ici pour chercher ta face. Que puis-je faire pour toi? Je veux devenir la deuxième femme de Nana. Qu'en est-il des hommes qui veulent t'épouser? Mon cœur n'est pas avec eux. Je viens juste de réaliser que l'homme que j'aime beaucoup ne m'a jamais aimé. À cet effet, je veux que sa famille et lui paient. Tu as fait le bon choix. Mais désormais, je te ferai toujours l'amour. Et tu pousseras toujours les gens à m'adorer. Tes désirs sont des ordres. Tu es très drôle, Chief. Et colorimé, Kimo. Maman? N. Maman, le repas est prêt. Dois-je l'apporter ici ou vous allez venir à l'intérieur pour manger? Ne t'inquiète pas, on te rejoint à l'intérieur. Nana, qu'est-ce que tu portes? C'est... Chizoba. Quel est le problème? J'espère que tout va bien. Tout va bien, papa. C'est juste que Nana dit qu'il veut m'épouser. Hein? Bah non, ça ce n'est pas possible. Nana, tu m'as dit il y a de cela 2 jours que tu ne prendrais pas une seconde épouse. Encore moins épouser Chizoba. Hein? Oh, c'est possible, hein? C'est très très possible. C'est vrai que j'ai dit ça il y a de cela 2 jours, mais j'ai même oublié que j'ai dit une chose pareille. Et de plus, toutes les deux, vous êtes des amis, n'est-ce pas? Donc vous pouvez vivre ensemble comme une famille. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Nana. Tu n'épouseras pas Chizoba. Je ne l'accepterai jamais comme ma belle-fille. Mais pourquoi, maman, pourquoi? Parce que je l'ai dit. Est-ce que c'est ton mariage? Mais Chizoba, qu'en est-il de l'homme dont tu m'as dit qu'il viendrait payer ta dot après-demain? Papa, comme Nana ici présent est venue me supplier, il m'a tellement supplié et m'a dit que je pourrais l'aider à avoir des enfants. De gros bébés garçons. Je ne peux donc plus épouser cet homme. Tout ceci est très étrange. Mais Chizoba est...
Ma meilleure amie, le plus important, c'est que on vive ensemble comme une famille. Tais-toi! Ferme la bouche! Ouvre encore ta bouche pour raconter des bêtises. Écoute, tu ne l'épouseras pas. Parce que je n'accepterai pas que toi, mon fils, tu épouses deux femmes au début de ta vie conjugale. Pourquoi? Mais pourquoi? Est-ce que c'est toi qui prends les décisions dans ma vie? Qu'est-ce que tu racontes, espèce de chou? Est-ce que c'est toi? Shizoba! Hein? On ne peut pas tous aller dormir et avoir la tête tournée vers plusieurs directions. Ok, papa. C'est bon. Ok, je suis désolée. Mais, désolée. Nana, s'il te plaît, montre-moi ma chambre. Ok, on y vous va. Allez où? Viens, on entre. Pas dans cette maison. Ah, ah. Va à l'intérieur. Ah. Maman, arrête ton cinéma. Arrête ton cinéma, j'aime pas ça. Touche pas à ma femme. Oh. Par ici, par ici. Hey! Tant qu'on vit, on ne doit jamais dire qu'on a tout vu. Quel que soit ce que le mal enfante, il finira par mourir. Tu vas rester ici assis et regarder ton fils, ta chair, ton sang tomber dans l'huile chaude? Un éléphant ne sera jamais plus grand que sa forêt. Je soumettrai le problème à mes frères. Pour qu'on en discute. Je pense que Chizoba a envoûté notre fils. Non, il n'y a pas d'autre explication. Ce garçon que j'ai vu, ce n'est pas notre fils. Ce n'est pas notre fils. Une flèche utilisée par un enfant pour tuer un vautour doit avoir été forgée par un adulte. Moi, je préfère Ugoma à Chizoba. Je la préfère comme femme de mon fils. Mais je croyais que tu aimais Chizoba pour qu'elle soit la femme de ton fils. Plus maintenant. Non. Plus maintenant. Cela ne doit même pas arriver dans cette maison. Ugoma. Écoute, je ne veux plus jamais te voir dans la chambre de Nana. Pardon? Chizoba, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je comprends pas. Chizoba, ta dot n'a même pas encore été payée et tu veux me chasser de la maison de mon mari? Chizoba, comment oses-tu? Qu'est-ce qui te fait croire que mon fils va t'épouser? Il faudra me passer sur le corps. Il ne t'épousera pas. Tu l'as dit avec ta propre bouche. Et ainsi sera-t-il. Chizoba! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Nana, tu ne dis rien par rapport à ce problème? Maman, est-ce que je dois parler de tout? Suis-je obligé de dire quelque chose? Elle a déjà tout dit, elle a le dernier mot. Ugoma, arrête de dormir avec moi, c'est aussi simple que ça. Dors au salon pour qu'on puisse avoir la paix. Je peux bien voir que tu en foutais mon fils. Donc c'est pour cette raison que tous ces hommes qui venaient pour t'épouser, tu les repoussais. Simplement parce que tu es méchante. Tu as fini? C'est ta bouche. Tu peux dire tout ce que tu veux, hein? Ce sont tes maux de tête. Pas de problème. Ne t'en fais pas. Très bientôt, les anciens vont venir. Et tu n'auras pas d'autre choix que de partir de cette maison. Voyons si ça va arriver. Maman, c'est bon. Laisse tomber. Viens. Allons à l'intérieur, viens. Ne me touche pas, oh. Je te respecte juste. Parce que tu es la mère de Nana. C'est bon. Bébé, tu dois la chasser. Tu peux aussi la laisser parfois dormir non, avec non, moi, non? Non, jamais de ma vie. On peut faire des tours, une semaine avec toi, une semaine avec elle, une elle semaine avec toi. Elle va dormir au salon. Tu ne m'écoutes pas? Non, je t'écoute. J'ai tout entendu. Qu'elle ne dort plus avec moi. Bien. C'est ma décision. Elle ne dormira plus jamais avec jamais, moi. Jamais, oui. Plus jamais, hein? Elle ne va plus dormir dans la même chambre que moi. Elle dormira au salon dorénavant. Obligée. Cette chose que tu m'as donnée est sur le point de m'être enlevée. C'est les œufs de la poule.
Grâce, la coquille. La pierre à écraser sera couverte de honte. Calme-toi, ma fille. Car la déesse Délé n'engage pas de bataille qu'elle ne peut pas terminer. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que la mère de Nana meure et que son père soit de mon côté. Cette femme a un esprit fort. Elle ne peut pas être tuée facilement. Elle en sait beaucoup. Elle peut l'utiliser contre moi. Ça suffit. Les esprits se rassemblent d'abord, avant les humains, dans cette réunion. Et elle tournera en ta faveur. Ogoma. Séminariste. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Tu comprends? S'il te plaît, tu dois être patiente. Il faut que tu gardes ton calme. Séminariste, tu m'as appelé. Oui, c'est vrai. Peux-tu t'asseoir, s'il te plaît? Non. Je n'ai pas de temps à perdre. Va droit au but. Ok. Avant de commencer, disons une petite prière. Non, pardon. Dis-moi simplement pourquoi tu m'as appelé ici. S'il te plaît. Homme de Dieu. Séminariste, s'il te plaît, mettons-nous en présence du Seigneur. Ok. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père, roi de gloire, tes enfants encore aujourd'hui se présentent à toi. Nous bénissons ton nom. Nous adorons ton saint nom. Seigneur, donne-moi la sagesse pour parler et aussi la faculté de comprendre au nom de Jésus. Amen. Alors? Tizoba. Nano, Biko. Pourquoi laisses-tu le diable t'utiliser? Je ne veux pas t'insulter, oh. Je ne veux pas t'insulter, séminariste, pour qu'il ne dise pas que j'ai insulté quelqu'un. C'est toi que le diable utilise. Tizoba. Moi, je rentre à la maison. Tizoba. Séminariste, tu vois? Voici ce que j'endure depuis un certain moment. Cette Tizoba était ma meilleure amie. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait pour qu'elle se retourne contre moi. Ogoma, tous ceux qui sourient avec toi ne sont pas heureux pour toi. Certains sont jaloux de ton succès. Calme-toi, arrête de pleurer. Séminariste, le pire, c'est que ma belle-mère est soudainement devenue muette et on m'accuse de ça, pourtant je suis innocente. Je sais que tu es innocente, Ogoma. Dieu dans le ciel sait que tu es innocente et il te vengera. Le comprends-tu? Amen. Tu as juste à mettre ta confiance en lui. Lui et lui seul te vengera. Amen. Pouvons-nous prier? Au nom de Jésus. Amen. Père, roi de gloire, nous bénissons ton nom. Tizoba. 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 Ta maîtresse est là pour s'unir à toi. Alors ouvre ton corps, ton âme et ton esprit.
mon mari, bonjour. Tizoba, bonjour. Qu'y a-t-il de bon à ce jour, sorcière? Hein? Écoute, je te préviens. Cesse d'apparaître dans mes rêves. La prochaine fois que je te vois, je vais te tuer. Que Dieu m'en garde, je ne suis pas une sorcière. Tu es une sorcière. Si tu n'en as pas une, qui a mangé les enfants dans ton ventre? Tu es une sorcière. Tu passes ton temps à manger tous les enfants dans ton ventre, c'est ça? Oh, mon amour, je ne ferai plus rien dans cette maison. C'est même vrai. Mon amour, tu sais quoi? Va prendre tous tes habits et apporte-les. Elle va les laver. Ok. Prends tout, tes slips, tes soutiens, prends-les et apporte-les. Ok. Tous les vêtements, prends-les et apporte-les. Tout de suite. Ok, pas de problème. Je ne les laverai pas. Je ne laverai rien dans cette maison, Nana, je ne laverai rien. Aucune idée. Répète ce que tu viens de dire. Hein? J'ai dit que je ne laverai plus les habits de personne. Nana, je ne laverai plus. Oh, tu as vraiment répété, hein? Dégage tout là, toi! Hein? C'est ton problème? T'es malade? Voilà! Voilà! Hein? Nana! C'est quoi ton problème ici, Aboko? Petit chiot, Goma! Quand c'est méchant! Tu vous puniras tous les deux! Laisse Dieu ça. La jugera plutôt d'être une sorcière! Toi également, t'es une sorcière! Nana, lâche-toi! Doucement! Lâche-toi! Nana, dégage! D'accord, tu veux te battre? Doucement! Attends! Attends! Nana, arrête ça, Biko! Tu vois ce qu'il t'a fait maintenant? Je savais que tu allais les laver. Tu vas les laver. Tu vas les laver. Je dis que tu vas laver ses habits. Tais-toi! Je n'appelle plus mon nom. Je refuse toujours de laver. C'est ce que je lui disais. Oh. Laisse-moi aller. Vas-tu laver ses habits? Vas-tu laver ses habits? Vas-y, comme ça tu vas les laver. Apprends tous tes vêtements, tous les aplats. Je vais les chercher. Dépêche-toi tous tes vêtements, tes slips et tes soutiens. Tu me défies, je demande de laver et tu contredis mes ordres. Que tu ne laveras aucun vêtement. Je vais laver. Je ne vais pas laver les vêtements. Qu'elles viennent avec tes slips et tout. Il est temps pour toi de faire ta part du marché. Qui est? Je veux que les gens m'adorent. Tu as oublié? Pas du tout. Je ne sais juste pas comment faire cela. Je m'en suis déjà occupée. Comment? Le peuple d'Omunikpa ne doit pas savoir pour toi. Sinon, je serai finie. As-tu oublié que tu as été bannie? Ça suffit! Sur le mortier ancien que je t'ai donné, tu vas t'asseoir pour exercer l'autorité, pour influencer les gens. Peu importe à qui tu vas parler, en commençant par ta famille. Qu'en est-il du séminariste? C'est un homme faible. Il couche avec les femmes en secret. Vu que ses parents l'ont obligé à devenir prêtre, pensons que devenir prêtre est un raccourci vers la richesse. Je croyais qu'il était saint. Le cœur d'un homme est une chose qu'un homme ordinaire ne peut jamais connaître, car il est profond. Même ceux qui se font appeler les serviteurs du Très-Haut ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Je suis choquée. Ne le sois pas. Va faire ce que j'ai dit. Dans peu de temps, les gens viendront m'adorer. Y compris ton séminariste. Oui, déesse. Thank you.
Attends. Reste là. Où vas-tu? Je voulais saluer mon père. Il veut me saluer. Il veut faire quoi? Saluer qui? Moi. Hein? Qui est ton père? Bâtard! As-tu un père? Ah, voilà, bat tes dents et demande à ta mère qui t'a mis. Saluer mon père. Mais il n'y a rien de mal. Mon ami, tais-toi, j'ai demandé d'aller là-bas. Attends. Nana. Oui, est-il ton fils? Non. C'est pas mon fils. Voici ma fille. Ma fille est là. Ma fille est ici avec moi. Je préfère ça. Tizoba. Tizoba, je t'en prie, laisse mon fils tranquille. Laisse mon fils tranquille. Tizoba, je sais que mon Dieu va bientôt t'exposer. Hein? Ton Dieu t'a déjà exposé, non? Va à l'intérieur, règle tes problèmes avec ton bâtard. Je ne suis pas ton problème. Détends! Tu as entendu ma mère. Va avec ce bâtard que tu appelles ton fils. Va à l'intérieur et nettoie tes larmes. Ça va aller, d'accord. On a Dieu comme père. Et c'est suffisant pour nous. Bien sûr que c'est suffisant pour nous. Allons-y. Va à l'intérieur et que la personne qui est ton père résolve vos problèmes. Foutaise. Tu as bien fait, hein? Tu es ma fille. N'a-t-elle pas bien fait? Elle a bien agi. Bam! Déesse, ta fille est ici. Que puis-je faire pour toi, mon enfant? Je veux que le fils de cette femme meure. Je t'ai dit d'oublier cette affaire de tuer son fils. Parce que je ne connais pas la puissance qui lui a donné cet enfant. Je ne suis pas contente de ce qui se passe. Pourquoi est-elle la première à avoir un enfant garçon? Je n'ai pas la réponse à cette question. Donc la seule solution, c'est de la tourmenter. Que veux-tu dire? Je veux que tu lui causes une grosse douleur. Tellement de douleur qu'elle tournera le dos à son Dieu. Vraiment? Tu mérites d'être appelée la déesse de Hélé. Ce qui arrive aux sorcières quand leur coupe est pleine. Mon seul fils. Thank you.
Je veux passer. S'il vous plaît. Chokodi, où vas-tu? Je veux boire de l'eau. S'il te plaît, aide-moi. Dis à ton ami de m'apporter de l'eau. Chokodi, quel que soit ton nom, arrête de me déranger. C'est moi la cause de ta cécité. Ok. Désolée de vous avoir dérangé. Alors, s'il te plaît, aide-moi à appeler ma mère. Suis-je la gardienne de ta mère? S'il te plaît, mets ton corps traceux hors de ma vue. Et mon ami n'essaiera jamais de l'appeler. Ok. Comme tu refuses de m'aider, laisse-moi aller chercher ma mère et arrête de me déranger. Allez, vas-y. Pars. Enfin, maudit. Arrête ça, Chokodi. Chokodi. Pourquoi est-ce que tu fais ça à ton frère? Quel frère? Inquiéti, à ton jeune âge, tu es déjà aussi méchante que ta mère. Écoute, c'est ton fils et toi qui es maudit. Bien, ça va aller. Très bientôt. Mon Dieu, va nous libérer. Ça va aller, ça va aller, ça Monsieur va aller, le mon fils. Viens, ton cœur est inguérissable. Vu que ton Dieu n'arrive pas à te rendre la vue. Espèce de... Partez d'ici immédiatement. Mon amour, où vas-tu? Je veux juste aller derrière et prier seule. Je veux prier pour la situation d'Ugoma. Oh, t'es une femme si gentille. Mets-moi dans tes prières, ok? Ave Maria. Merci, mon mari. Merci. Déesse de Elé, ta fille Chizoba est là pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Finalement, le séminariste a perdu ses pouvoirs. Pas de quoi, ma fille. Mais tu dois emmener le fils d'Ugoma dans la forêt maudite pour le sacrifier. Sinon, il y aura des conséquences. Ah, enfin, finalement, mon souhait a été exaucé. Je ferai cela. Fais-le le plus vite possible. Maintenant, je sais que Chizoba est méchante. Ah. Bien que je lui ai montré tant d'amour et de gentillesse, elle a choisi de me le rendre par tant de méchanceté et de haine. Mais je sais que mon Dieu combattra pour moi. Ugo, je ne suis pas surprise. Chizoba est méchante. Et elle sait ce qui est arrivé à Ujo. Ok? Ça va aller. Chizoba, faites ma vie un véritable enfer. Mais je ne vais pas abandonner. Je n'abandonnerai pas. Je crois que Dieu est le même pour toujours. Il combattra pour moi. Amen. Ah, Chizoba. Hey! Chizoba,
Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as perdu la tête? Et en plus, cette eau... Oui, cette eau sent parce que c'est de l'eau sale. Et je l'ai gardée pour toi. Écoute très bien. Laisse ma famille et moi tranquille. C'est un avertissement. Si tu ne nous laisses pas tranquille, hein, ceci n'est rien du tout comparé à ce que je vais te faire. Shizuma, arrête ça, s'il te plaît. Pourquoi viens-tu attaquer mon mari dans sa maison? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maintenant, écoutez-moi. Écoutez, tous les deux, vous devez nous laisser ma famille et moi tranquille. Sinon, la terre s'enfuira. Le feu s'éteindra. Quand toi, imbécile, rentre à la maison. Ton habit pue. Ça pue. Tisoba, tu as perdu l'esprit. Tu as perdu l'esprit. Je ne gaspillerai pas ma force sur toi. Rentre à la maison. Hé Chérie, regarde ton habit. On aura vraiment tout vu. Ogoma, s'il te plaît. Pour l'instant, essaye de rester chez toi. Je ne veux pas de problème avec Shizuba, s'il te plaît. S'il te plaît, ne dis pas ça. Ogoma est la bienvenue dans cette maison à toute heure. Ne parle pas de la sorte, je n'aime pas ça, s'il te plaît. Neka, es-tu en train de me chasser de chez toi? Ogo, ce n'est pas du tout ça. Essaye aussi de me comprendre. Je ne veux pas perdre ma vie ou celle de mon mari. S'il te plaît, Shizuba est très méchante. Ogo, arrête, cesse de pleurer. Je vais juste partir. Je m'en vais. Pourquoi lui as-tu parlé ainsi? Hein? Pourquoi lui as-tu parlé de la sorte? Elle est la bienvenue dans cette maison à toute heure. Je n'aime pas ça. Oh, Bim, que veux-tu que je fasse? Regarde ton corps. Et cette eau pue? Ça pue. Hein? Ça pue. Ça pue comme... comme les selles. Hein? Je n'aime pas ça. Regarde encore, Robin. Shizuba. Oh, cette femme est une sorcière. Je te l'ai dit. Cette femme est une sorcière. Mais c'est quoi tout ça? Seigneur, dans quoi est-ce que nous sommes tombés? Shizuba, s'il te plaît, laisse ma famille tranquille. Laisse ma famille tranquille. Mon chéri, je m'en vais au champ. Mais je ne serai pas longue. Je reviendrai vite, d'accord? Te fâche pas de ce que ton père a fait tout à l'heure, pardonne-lui. Oh, il t'aime beaucoup. Nico, fais attention. Je ferai attention, mon fils. Je serai prudente. Mais promets-moi que tu feras également attention. Je ferai attention. Je sais que tu le feras. Ne va nulle part, hein, Chukudi? Ne va nulle part en dehors de la chambre de ta grand-mère. Ton repas est là-bas. Mais je ne serai pas longue comme je te l'ai dit. Oh, on se voit tout à l'heure. Mais bye-bye. Bye. Sois prudent, ne va nulle part, oh. Chukudi, comment vas-tu? Je vais bien. Ok. Je t'ai apporté à manger. Merci, j'ai mangé tout à l'heure. Peut-être la prochaine fois. La nourriture vient de ton père. C'est sa façon à lui de te demander pardon. Parce qu'il a retrouvé l'argent qu'il a fait te frapper. Oh, vraiment? Merci Dieu. Moi, l'on saura que je ne suis pas un voleur. Mais je ne vais pas du tout manger.
Veux-tu que ton père se mette en colère contre toi? Non. Si ça vient de mon père, alors je vais manger. Par ici. Prends ça, gentil garçon. Gentil garçon. Donc tu vas manger le repas qui a été bien préparé et assaisonné pour toi. Hein? Tu vas manger le repas. Mange-le bien. Si ma fille vient ici te supplier pour ce repas, ne lui donne pas or, parce que ça veut dire qu'elle veut réduire ta part. Je lui ai donné et elle a mangé beaucoup, beaucoup. Mange-le bien, hein? Bon okay, garçon. Ma. Merci, ma. Mange-le, oh! Oh Seigneur, que ta puissante main protectrice me couvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Chukudi! C'est quel genre de vie ça? C'est quel genre de vie ça? Quand connaîtrai-je le bonheur? C'est quel genre de vie que je vis? Mon seul fils, mon Chukudi. Oh Seigneur, Seigneur. Aïe. Silencieux. Je ne sais même pas où je suis. Quelque chose ne va pas. Maman doit être en train de me chercher.
Bienvenue, déesse de Hélé. Je ressens une puissance venue de loin. Et on doit la stopper. Sinon, on aura des problèmes. Comment ça? Qui est cette personne? Un homme ou une femme? Je ne sais pas. Mais on doit la stopper. On doit la stopper. Aidez-moi. Tout mon corps me démange. Ton corps, comment? Où? Mes seins. Tes seins? Oui. Tu ne me prendras pas dans ton piège, esprit! Toi, esprit mauvais qui provient de l'enfer, je te chasse de ce corps! Je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ! Le feu sur tout ton corps! Le feu au nom de Jésus-Christ! Montre ton vrai visage! Je te préviens, jeune homme, quitte ce village car ces gens sont sous mon joug et il n'y a rien que tu puisses faire pour les sauver! Tu mens! Car c'est à l'Éternel qu'appartiennent la terre et tout ce qui y habite. Les hommes, les animaux et même les plantes qui y vivent. Même le ciel aussi haut soit-il appartient à Dieu. Et il a choisi de donner la terre au Fils de l'homme. Et donc au nom de celui qui est mort et ressuscité le troisième jour, Jésus-Christ le Fils de Dieu, je te chasse au nom de Jésus. Brûle! Au nom puissant de Jésus, je te chasse, esprit maléfique! Soudan de Sicaro comarara casa! Opa! Ibradico suria lana makaraka! Feu au nom de Jésus-Christ! Feu! Oh! Merci à toi, Jésus! Merci à toi, Esprit Saint de Dieu! À toi seul appartient la gloire! Les habitants de Monikpa sont tes enfants! Et aucune force, aucune puissance ne pourra m'empêcher de faire ce que tu m'as envoyé faire! À toi revient la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Il semble y avoir une puissance inconnue qui entoure ce prêtre. Et donc, on doit la détruire, sinon elle va nous détruire. Es-tu en train de dire qu'il y a une puissance plus grande que la déesse de Hélé? Silence! Faisons ce qui nous a amenés ici. C'est d'accord, ma déesse, je suis désolée pour ce que j'ai dit. Maintenant, en voyant une maladie incurable... Non, maintenant! Productivité de la fertilité. Je suis la marraine des êtres de la forêt, la glorieuse fille d'Hélé Orimiri. Est en train de revenir. Que devons-nous faire? Que
devons nous faire, Diès? Est-ce à dire que le prêtre est plus fort que la déesse de Hélène? Après ce qui est arrivé l'autre jour, c'est peut-être vrai. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je dois aller ailleurs chercher la protection. Je dois constamment tout contrôler. Tu ne peux plus parler, espèce de mauviette, espèce de muette. Parle, ouvre la bouche. Ouvre ta bouche et parle-moi. Allez, parle-moi. Tu me considérais comme ta fille, mais tu as refusé que je sois la femme de ton fils. Qu'as-tu fait? Tu as juré devant tout le monde que ça n'arrivera jamais. Ne vois-tu pas ta vie? Regarde, regarde ta vie. Tu es comme une morte. Ne dis pas. Ouvre ta bouche et parle. Espèce de muette, tu ne peux rien faire. Peu importe ce qui arrive, ne te lève pas. Parce que si tu le fais, il y aura des conséquences. Tant que tu restes assis sur ce mortier, le ciel sera fermé. Peu importe le nombre de ses prières, il ne se passera rien. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, brave habitant d'Oumonikba, l'éternel Dieu qui est au ciel m'a envoyé dans ce village vous apporter le message de délivrance et de libération. Dieu est lumière et en lui aucune ténèbre, car la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 60 verset 2: les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais la gloire du Père éternel a apparu et se lève sur son peuple. Je suis venu vous annoncer que peu importe ce que le diable a pu faire, peu importe le type de ténèbres qui oppressent cette communauté, parce que quand je suis venu, j'ai vu une sorte de nuage de ténèbres. Et il s'est épaissi lorsque je suis entré dans la concession.
Mais je suis venu vous annoncer que vous serez délivrés au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi. La Bible dit dans Abdias chapitre 1 verset 17. Il est écrit que sur le mont de Sion, il y aura des délivrants. Et les habitants de Monikpa, vous trouverez toutes vos gestes. Amen. Et il est écrit dans Matthieu chapitre 15 verset 33 que toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Voilà donc la bonne nouvelle que je vous apporte. Quoique le diable ait pu faire ici, quelle que soit l'influence que les ténèbres ont en ce lieu, quel que soit l'agenda ou la stratégie du diable, dans cet environnement, j'interviens en tant que prêtre du Très-Haut. Que le ciel révélera leurs iniquités et que la terre se lèvera contre eux au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le genre de ténèbres dont je parle. Shabo Kariana Kakamori Gabo Bibadigo. Rababa Shekino Babi. Tu vas me confesser. Silence. Confesse. Parle. Il y a un mortier ancien. Un mortier ancien à l'arrière où je m'assois souvent. Où je m'assois. Parle. Où je m'assois pour exercer mon pouvoir, mon autorité et mon influence sur cette famille. Je détruis ça au nom de Jésus. J'ai rendu ma mamiette. J'ai attaché l'utérus au Goma. C'est terrible ça, Shizoba. À lui. Petit mortel, ceci n'est pas ton combat. Tu mens, car tu es une menteuse depuis des temps immémoriaux. Le ciel appartient à Dieu et la terre a été donnée au fils de l'homme. Oui, même les captifs du mal en seront libérés et les chaînes qui les lient à lui seront toutes brisées et détruites au nom de Jésus. Amen. Ici, c'est ma terre. Comment oses-tu me défier? La terre appartient à Dieu. Tu ne peux pas réclamer ce que tu n'as pas créé. Et donc au nom de celui qui a créé le ciel et la terre, celui que je suis et celui que je sers, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je te chasse au nom de Jésus. Que les cieux se lèvent contre toi. Que la terre se lève contre toi. Au nom de Jésus. Feu! Rababa toko koko sisi kiki boko boji. Kukure su kanta ya gababa bi. Sur toi, j'invoque le feu du ciel qu'il révèle toutes tes iniquités et que la terre se lève contre ton feu. Subis les foudres de Dieu. Je t'envoie le feu au nom de Jésus. Je te commande de partir. Je t'ordonne de disparaître. Vite. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Si le Fils de l'homme veut te rendre ta liberté,
Alors retrouve ta liberté. Merci, Esprit Saint. Mon père, s'il vous plaît, est-ce que votre Dieu peut me sauver? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, mon Dieu le peut. Car quand nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés de lourds fardeaux, et je vous donnerai le repos. Car même si vos péchés sont aussi noirs que du charbon, il vous rendra aussi blanc que la neige. S'ils sont rouges comme du sang, il les rendra blancs comme neige. Répétez juste après moi. Et à tous ceux qui veulent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Je t'accepte dans mon cœur. Je t'accepte dans mon cœur. Comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur et Sauveur personnel. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Aujourd'hui, je suis né au nom de Jésus. Mon Père, s'il vous plaît, est-ce que votre Dieu peut me sauver? S'il vous plaît, pitié, aidez-moi. Ma fille, tu es sauvée. Ton âme est sauvée. Car nous n'avons pas peur de celui qui ne peut tuer que le corps. Il n'a aucun pouvoir sur l'âme. Mais nous vénérons et craignons celui qui peut tuer le corps et envoyer l'âme en enfer. Ton âme est sauvée. Ah, ah. Maintenant, écoutez-moi. Peuple de Monikpa. Mon Dieu est un Dieu jaloux. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le faire avec des idoles. Elle a modifié sa destinée. Bien que son âme soit sauvée. Oui, mais son corps est parti. Je vous encourage donc, habitants de Monikpa, à rejeter le mal. Rejetez le malin! Servez Dieu et uniquement Dieu! Et tout ira bien pour vous. Laissez les morts. Enterrez les morts. Et que les vivants apprennent de ceci. Hey, 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 hey. Thank you.
Ce chemin va te conduire chez toi. Maintenant, va. Je suis aveugle. J'espère que je ne vais pas me perdre encore. Ne t'en fais pas, mon enfant. Tu ne vas pas. Maintenant, pars. Pars. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.